Vous aurez très certainement compris que nous sommes au Salon de l'Auto et c'est une période privilégiée pour l'achat de nouveaux véhicules. C'est donc l'occasion de s'intéresser tout d'abord au fin du fin des nouvelles options de sécurité routière. Alors en matière de sécurité active, les voitures ont de plus en plus de systèmes pour empêcher les accidents qui fonctionnent notamment avec des caméras. On a parfois des caméras sous le rétroviseur, on a aussi des caméras derrière le pare-brise, on a également des capteurs et des radars ou des lidars qui se trouvent généralement sur la calandre. Ça permet à la voiture de savoir où elle se trouve sur la route, notamment sur la bande de circulation, et aussi d'anticiper ce qui se passe devant elle, les freinages et les accélérations des autres véhicules, et ainsi pouvoir éventuellement repérer un véhicule à l'arrêt et anticiper le freinage. Tous ces systèmes de sécurité active sont activables par le conducteur. On a par exemple ici le bouton sur le volant qui permet de lancer tout le système de caméras et de capteurs autour du véhicule. Ce modèle-ci a un tout nouveau système qui s'appelle l'e-pédale. C'est la pédale d'accélérateur qui sert aussi à freiner. Là aussi, le conducteur doit l'activer s'il veut l'utiliser. Quand on conduit, dès qu'on relâche l'accélérateur, les feux rouges à l'arrière s'allument. En cas de freinage important, il suffit de lâcher rapidement la pédale d'accélérateur et on doit appuyer sur le frein uniquement en cas de freinage d'urgence. Mais comme la voiture aura déjà prévenu les conducteurs à l'arrière et que le freinage aura été anticipé, la manœuvre sera beaucoup moins difficile et moins compliquée à réaliser. Tous ces systèmes nous permettent déjà d'avoir une idée de ce que sera la voiture autonome. Mais pour l'instant, il faut toujours rester vigilant et garder les mains sur le volant. À côté des options de sécurité routière, il y a un point qui devient de plus en plus essentiel lors de l'achat d'un véhicule. Ce sont les normes écologiques, car il y a de plus en plus de zones de basse émission, comme à Bruxelles et à Anvers en Belgique. Quand on achète une voiture de nos jours, il faut aussi regarder la norme anti-pollution, ce qu'on appelle la norme Euro. Toutes les voitures neuves sont Euro 6. Cette norme sera autorisée dans toutes les villes au moins jusqu'à 2025. Pour les voitures d'occasion, par contre, c'est un peu plus compliqué parce que là, il faut être vigilant sur le fait que certaines normes seront interdites dans les années à venir. Il faut vérifier ça sur le certificat d'immatriculation ou le certificat de conformité. Ce qui est valable en Belgique l'est également à l'étranger puisque les véhicules anciens sont de plus en plus interdits. Je pense notamment à Rotterdam, à Cologne ou à Lille. Même si les options de sécurité sont moins nombreuses dans le secteur de la moto, il y a quand même moyen de faire son marché dans les équipements de sécurité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une moto est équipée ou n'est pas équipée d'accessoires sécurité. Donc c'est vraiment un facteur à prendre en compte quand on considère son achat. Et je dis moto, mais c'est aussi évidemment scooter. Alors un exemple de technologie intéressante que l'on peut commander à l'achat de sa moto, c'est le bouton e-call qui, d'une manière manuelle, peut être déclenché si l'on aperçoit un accident sur la route ou si on est soi-même victime d'un léger accident. Et si on est victime d'un gros accident, l'appel se fait tout seul vers une centrale et après éventuellement vers les secours. Depuis le 1er janvier 2017, la norme Euro 4 impose aux motos et scooters de plus de 125 cm3 d'être équipés notamment de l'ABS. Donc c'est un facteur à prendre en considération si vous envisagez l'achat d'un véhicule d'occasion. En parlant d'ABS, ça c'est une véritable révolution depuis quelques mois, c'est très récent, nous avons des systèmes qui permettent de freiner sur l'angle, ce qui était avant rigoureusement déconseillé aux motards. Donc maintenant, le système va ralentir la moto, la relever tout doucement et éviter que la roue avant ne glisse et n'envoie le motard dans le décor. Ce qui était intéressant de considérer, c'est par exemple le système d'éclairage directionnel pour une meilleure visibilité dans les tournants et pendant la nuit. Le capteur d'angle mort, ça c'est vraiment très récent sur quelques modèles. Alors de manière plus générale, ce qui a beaucoup progressé sur les motos, c'est l'arrivée d'électronique. Je pense au contrôle de traction qui empêche la roue arrière de patiner, c'est intéressant sur surface glissante, ou à l'anti-wheeling qui empêche la roue avant de se cabrer en cas de forte accélération. On peut bien entendu acheter une auto ou une moto sur base d'un coup de foudre, mais le message du jour, c'est que vous pouvez également penser aux options de sécurité et pourquoi pas aussi à l'aspect écologie.